Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous, j'espère que votre dossier Campus France se passe bien, que tout est bien. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler de la vie d'étudiants étrangers en France. C'est un sujet que j'ai longtemps voulu aborder, j'étais en train de réfléchir, même est-ce que je dois faire ça ou pas, c'est de parler de la vie d'étudiants étrangers en France. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie, vous êtes peut-être où, je ne sais pas. Vous voulez savoir, parce qu'avant d'aller quelque part, il faut toujours savoir comment ça se passe, qu'est-ce que je peux m'attendre, est-ce qu'il y a des trucs plus difficiles, est-ce qu'il y a des trucs à l'improviste que je ne sais pas. C'est toujours important de le savoir afin de bien préparer son dossier et son voyage. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous parler de la vie d'étudiants étrangers en France. Donc dans cette vidéo, il y a plein de choses que je vais parler, il y a énormément de choses, donc restez jusqu'à la fin. Parce que c'est très important pour vous, comme pour moi, moi qui suis ici, de vous parler de ce qu'est la réalité, et de vous qui êtes là-bas, de savoir c'est quoi la réalité qui vous attend. Donc, avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, ça me donne de la force et ça me permet à moi d'aider encore plus de gens, parce que la vidéo sera en haut de YouTube. Et ça me fait plaisir, et normalement, ça me pousse encore à créer plus de vidéos. Partagez les vidéos et commentez. Si vous avez des questions, commentez. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur le forum Campus France, que je vais mettre le lien dans la description, afin de nous poser directement des questions. Et nous, on va vous répondre par rapport à toutes les questions que vous allez poser. Donc, du coup, il faut savoir que étudier à l'étranger, que ce soit en France, au Canada, n'importe où, ça demande quand même un minimum de recherche. Je vois, il y a des gens qui s'en foutent des recherches, il y a des gens qui veulent venir étudier n'importe où sans faire des recherches en se disant que j'ai de la famille en France, j'ai de la famille partout, mais c'est pas vraiment facile que ça, parce que dire que j'ai de la famille c'est une chose, mais vous ne savez même pas aussi la réalité de la famille en France. C'est même sur ça que je vais commencer, c'est la famille, parce que c'est toujours plaisant quand on arrive en France, ouais, je tombe chez mon oncle, chez mon grand-père, chez ma mamie, chez n'importe qui. Ça me fait plaisir. Mais le problème, c'est que dans la plupart des familles, je parle des familles africaines. Quand je dis la famille africaine, je parle des familles comme. Quand je parle de l'Afrique, l'Afrique, c'est en général, que ce soit congolaise, les familles sénégalaises, des familles tunisiennes. J'avais une amie tunisienne qui avait vécu la même chose que la plupart des gens, parce que j'avais posé énormément de questions aux gens par rapport à ce qui se passe dans la famille. C'est que quand tu arrives en France, ces gens qui habitent ici en France depuis longtemps, ils te prennent comme une personne pas utile en fait. Donc du coup, ils ont tendance à exploiter, désolé de le dire, mais ils ont tendance à exploiter les gens qui viennent d'Afrique. Donc du coup, tu viens chez eux, ils te logent, voilà, tu es logé chez ton nom, tu vois, c'est super. Ils te donnent parfois à manger. Maintenant, tu deviens l'homme à tout faire. Où la femme a tout faire. On te laisse faire nettoyer la maison, tu commences à amener des enfants à l'école. Donc en fait, on commence à. Ça, c'est une réalité qui est fréquente. Si vous n'avez pas vécu ça, bah, tant mieux pour une personne qui est en France. Si tu n'as pas vécu ça, bah, tant mieux pour toi. Mais il y a énormément d'étudiants qui ont vécu ça. J'avais une amie tunisienne qui avait vécu la même chose. Arrivée en France, là où on l'avait reçue, elle vivait maintenant comme une boniche. Une boniche, c'est ce que certains appellent domestique en Afrique. Elle vivait maintenant comme ça en fait. Pourtant, elle était chez sa tante. Vous voyez, donc c'est une réalité qui est vraiment présente. On va dire, bon voilà, écoute, nettoie les assiettes, fais ça, nous on travaille. Mais eux, ils oublient que toi aussi tu as des soucis, toi aussi tu as des choses, toi aussi tu as énormément de choses à faire, tu as énormément de choses à dire. Peut-être tu manques d'argent, peut-être tu as envie de décharger tes parents, tu as envie de trouver un travail, tu as envie de faire énormément de choses. Donc, la famille met une pression énorme que la plupart des étudiants, ils finissent par quitter la famille pour aller faire leur vie ailleurs. Ça, c'est une chose qui se passe énormément. Maintenant, lorsque tu commences à travailler, tu vois, chez la famille, bah, écoute, il faut contribuer. Ça, tu ne vas pas t'en échapper. Il y a aussi le changement de monnaie. Le changement de monnaie, ça, c'est un problème que l'on renéglige, mais c'est un problème à ne pas négliger. Quand tu quittes ton pays pour venir en France, il y a ce côté monnaie-là, savoir que si tu viens du franc CFA, comme moi, bah c'est sûr que la monnaie, ça pèse pas lourd. Donc, une fois arrivé en France, tu vas te rendre compte que la monnaie, bah, c'est rien du tout.
C'est-à-dire pour payer ton loyer, bah, ton père doit t'envoyer quelque chose si c'est 300 euros, quelque chose de 210 000 francs. Et ça, c'est vraiment énorme. Si ton père ne gagne pas 1 million, si ton père ne gagne pas 600 000, bah, ça commence à devenir quand même chaud. Donc la plupart des étudiants, si tu n'as pas de bourse, parce qu'il y a des étudiants qui ont de la bourse, moi, j'avais un ami sénégalais qui avait sa bourse, lui, il était bien. Mais si tu n'as pas de bourse comme moi, ça devient compliqué. Ton père va s'occuper de toi, va t'envoyer de l'argent. L'argent pour manger, l'argent pour payer le loyer, l'argent pour payer les factures, et ça devient lourd. Donc c'est à ce moment-là que la plupart des étudiants cherchent un petit travail pour gagner énormément d'argent. En conséquence, surtout, et même il y a la plupart qui sacrifient leurs études, ils sacrifient totalement leurs études pour vivre parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'arrivent pas. Donc c'est un truc à prendre vraiment en compte, les devises, le changement de monnaie. Arriver en France. Donc, il faut vraiment programmer ça. Si vous voulez décharger vos parents, il faut déjà se renseigner sur les jobs étudiants, comment ça se passe, comment je peux en avoir, pour que ça vous facilite la tâche une fois en France. Il y a aussi la difficulté d'intégration à la société. Vous savez, quand vous arrivez dans un pays, moi, quand j'étais parti au Sénégal, ce que j'ai fait, c'est ça. Je me suis intégré à la société, des amis sénégalais, je suis avec des Sénégalais, je pars. En fait, il y a ce côté-là. Or, nous, Africains, je parle de moi comme de Africains en général, on n'a pas le langage facile quand on arrive ici en France. Voyez? Donc il y a la peur de l'inconnu, la peur de l'autre. L'autre a peur de nous, nous on a peur de l'autre. Donc du coup, personne n'approche personne. Voyez? Parfois on a envie d'aller vers les autres, mais déjà le regard des autres, ça te repousse. Donc du coup, ça c'est un truc que vous devez savoir. Surtout, on finit par se ressembler entre nous, rester entre nous, vivre entre nous. On parle Wolof, on parle Lingala, on parle tout ça. Vivre entre nous parce que on n'a pas pu s'intégrer. Et bon, il y a certains qui se cachent derrière ça en disant, bon, non, moi je préfère rester en communauté. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'on n'a pas pu être, on n'a pas pu s'intégrer. Donc, du coup, on se cache derrière ce genre de phrase. Donc, ça, c'est aussi un grand problème. Du mal à s'intégrer parce que l'autre nous rejette. Après, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent en France ici à propos des étrangers. Il y a certains, non, on doit les chasser, machin. Il y a le racisme qui grandit en France. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a le racisme qui grandit en France. Donc, parfois, il y a certains Français, lorsqu'ils voient des Noirs, il y a un mépris. Donc, du coup, ça pousse pas aussi à nous autres étudiants étrangers d'aller vers eux. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est là. Donc, l'intégration, ça devient de plus en plus difficile. Et il y a certains qui n'osent pas, il y a d'autres qui ne sont pas courageux. Donc la partie d'intégration en France, c'est vraiment compliqué. Oui. Mais ce que je vous conseille, ce pas, lorsque vous arrivez en France, vivre en communauté, c'est très bien. Rester en communauté, c'est même génial. Mais intégrez-vous, cherchez à connaître les autres, à faire des boulots, à connaître des autres, à avoir des amis. En fait, ça va vous donner l'ouverture d'esprit et vous allez connaître énormément des choses que vous ne connaissez pas, énormément des choses que vous vouliez peut-être savoir. Donc, c'est très important de s'intégrer dans la société que vous venez de rencontrer. Ça, c'est vraiment très important. Moi, quand j'étais parti au Sénégal, c'est ce que j'ai essayé de comprendre le Sénégal, de connaître Wolof, de savoir comment fonctionnaient les Sénégalais. Et c'était une richesse. Même aujourd'hui, ma cuisine, quand je le fais, je me base sur des techniques congolaises, des techniques sénégalaises, des techniques françaises, parce que à chaque fois que je vais quelque part, j'essaie toujours de m'intégrer par rapport à cet endroit, de connaître la culture de cet endroit, de connaître comment ces gens-là fonctionnent. C'est très important. Et la plupart du temps, ce qui nous bloque dans l'intégration, il y a aussi la difficulté de la langue. En Afrique, les gens ont tendance à dire que non, en France, les gens s'en foutent, tout ça, on ne se moque pas des gens. Surtout, c'est un gros mensonge. En France, on se moque des gens. Lorsque tu parles avec un accent, en fait, les Français, ils ne le montrent pas. Parce que moi, je suis beaucoup dans un milieu français. Je vis avec des Français, je connais. Mais comme ça, dans la rue, ils ne le montrent pas. Mais quand ils sont chez eux, ils ont tendance à se moquer des gens qui ont un accent. Et parfois, nous-mêmes Africains, lorsqu'on est devant des gens, on n'ose pas trop parler de peur de comment les gens vont nous. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, du coup, en fait, ce côté-là, ça nous empêche à faire énormément de choses. Donc, la difficulté de la langue. Maintenant, moi, le conseil que je vais vous donner, peu importe votre action,
On s'en fout. Peu importe votre action, en fait, vous vous en foutez. Parlez comme ça. Si vous êtes avec des gens, parlez comme ça. En fait, c'est en parlant que vous allez vous améliorer, c'est en parlant que vous allez vous évoluer. Il ne faut jamais rejeter votre côté africain. Il ne faut jamais rejeter votre côté, le côté de votre pays. Il ne faut jamais rejeter votre personnalité. Restez comme vous êtes. N'essayez pas d'imiter les autres, n'essayez pas de devenir une autre personne. C'est très important si vous voulez évoluer. Parce que si vous restez comme vous êtes, les gens vont vous accepter comme vous êtes. C'est comme si tu as des gros yeux. Bah, tu dis, super, j'ai des gros yeux, tu acceptes ça. Les gens vont vous accepter comme ça. Ils vont plus se moquer de vous. Donc, restez comme vous êtes. Et il y a un truc que vous devez savoir aussi, c'est le coût de la vie en France. Le coût de la vie en France est très cher. Est vraiment cher. Si tu viens d'Afrique, dans certains pays d'Asie aussi, le coût de la vie est moins cher. Donc, si tu viens d'Afrique, de certains pays d'Asie. Au Canada, oui, tu peux quand même résister ici. Mais par rapport à l'Afrique, le coût de la vie est très cher. Est vraiment cher. Donc, prenez ça en considération. Quand vous allez venir en France, prenez ça en considération. Les loyers, ça coûte très cher. Heureusement, on a des aides au logement qu'on appelle CAF ici. Donc, quand vous allez arriver en France, je vais même faire une vidéo sur des aides aux étudiants, à tout le monde. Heureusement, ça existe. Mais sinon, c'est très cher la vie en France. Le coût de la vie en France, c'est vraiment cher par rapport à nous. Tu payes ton loyer 300 euros. Bah, 300 euros, c'est 210 000. Tandis qu'en Afrique, tu ne payes pas ça. Parfois, tu payes même le loyer jusqu'à 500 000 francs. Vous voyez? Donc, prenez ça en considération et ne cherchez pas à faire n'importe quoi. Prenez ça en considération parce que le coût de la vie est très cher. C'est la raison pour laquelle la plupart des étudiants vont en CROUS. Au CROUS, ça dépend de quel CROUS vous êtes. Il y a des CROUS où vous payez 160 euros. Quand j'étais au CROUS, je payais 160 euros. Donc, quand la CAF, quand on me donnait la CAF, ça me revenait à 85 euros. 85 euros, 90 euros que tu peux payer au CROUS, ça devient encore moins cher. Ça t'aide énormément. Donc, c'est cette partie-là. Beaucoup d'étudiants vont au CROUS parce que ça coûte moins cher. Vous pouvez aller en CROUS. Mais sinon, le coût de la vie en France est cher. Vous allez dépenser. Quand vous dépensez déjà 10 euros, ça n'a rien du tout. 10 euros, c'est 6 500. Oui. Donc, ça, vous pouvez dépenser ça en journée. Donc, faites très attention. Pour préparer bien votre projet et votre dossier, faites très attention. Il y a aussi la difficulté d'avoir un logement. Ça, je l'ai vécu. Je vous dis un truc que j'ai vraiment vécu. Avoir un logement en France, au CROUS, c'est plus ou moins facile. Au CROUS, c'est plus ou moins facile. Ça dépend de comment tu t'y prends. Mais avoir un logement autant qu'étranger en France, c'est vraiment compliqué. Je sais pas, pour moi, je trouve que les étudiants étrangers, ils ont tendance à payer leur loyer. Les étrangers sont souvent réglo, mais ils ont une image d'étranger qui n'est pas bien du tout. En fait, ils ont des préjugés. Donc, du coup, quand tu viens autant que noir ou arabe pour un logement, La personne, ben voilà, te fait visiter le logement parce que voilà, je te fais visiter un logement. Mais pour te donner un logement, il préfère donner à une autre personne. Donc, j'avais un ami arabe, Soufiane. On avait vraiment du mal lorsqu'on cherchait un logement à trouver un logement. On a cherché, on avait de l'argent, on avait tout. On avait des garants. Il ne faisait que, bon voilà, on va vous rappeler, monsieur. Et demain, on a donné ça à une autre personne. Après, on a compris que c'est lié parce que nous, dans des régions, il y a vraiment du racisme, il y a vraiment ce truc-là, du rejet de l'autre. C'était vraiment lié à ça, en fait, le fait qu'on n'était pas de Français, tout simplement. Et on le ressentait dans la voix, on le ressentait dans la façon d'agir des gens. Donc, ça aussi, prenez ça en considération. Si des choses comme ça vous arrivent, bah, ça ne sert à rien de se fâcher, trouvez des solutions. Déjà, moi, je vais chercher à mettre en place un programme pour aider les étudiants étrangers à avoir des logements sur mon site. Je suis en train de voir comment je vais faire. Donc, ce truc-là, ça, trouver un logement, c'est aussi compliqué. Mais vous pouvez toujours avoir des logements. Quand vous partez, par exemple, dans les agences. Dans les agences, lorsque vous avez tous les documents, eux, ils n'ont pas le droit de vous refuser un logement. Ils vont vous donner un logement. Mais il faut savoir que vous allez payer des commissions. Ah bah voilà, c'est le prix à payer lorsque vous ne pouvez pas avoir un logement chez un particulier. Après, il y a aussi la dure réalité des régions. En région, lorsque tu arrives. Moi, je suis tombé en région quand je suis arrivé en France. Donc, dans une petite ville du nord, Pas-de-Calais. Donc, Pas-de-Calais, là où c'est le fief de Marine Le Pen, là où on vote que FN.
Donc, du coup, quand je prenais le bus, tout le monde me regardait bizarrement, me regardait vraiment bizarrement. Donc, à chaque fois, j'étais gêné, tout ça. Donc, il y a ce truc-là, ne vous inquiétez pas, il faut seulement s'en foutre. Vivez votre vie, faites ce que vous avez envie de faire. Mais il y a ce truc-là aussi, il faut prendre en considération. Maintenant, les jobs étudiants. Vous savez qu'en venant en France, quand vous n'avez pas des parents riches, parce qu'il y a des gens qui ont des parents riches, ils n'ont pas besoin de job étudiant. Il y a des gens qui ont des parents qui ont énormément d'argent, ils n'ont pas besoin de ça. Mais quand vous n'avez pas énormément d'argent, il faut trouver un job pour vivre. C'est ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire, dès que je suis arrivé, là, dès ce qui est arrivé quelques mois après, j'avais trouvé un job. Donc, si vous vous retrouvez dans mon cas, il faut trouver un job. Maintenant, trouver un job, il y a des risques. Les risques, c'est de ne plus se concentrer dans ses études. Les jobs étudiants, ça existe. Aujourd'hui, avec coronavirus, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé les restaurants parce que les restaurants, comme serveurs, c'était des jobs étudiants qu'on faisait. Manutention, c'est des jobs qu'on faisait autant qu'étudiants. Il y a inventaire qu'on fait autant qu'étudiants aussi. Il y a parfois aussi le nettoyage des stades. Il y a plein de choses qu'on fait autant qu'étudiants, des jobs étudiants. Ouais, il y en a énormément. Mais avec Covid, il y a des entreprises qui ont fermé des portes. Donc, à l'avenir, les jobs étudiants, ça risque d'être difficile, mais sinon, il y en a énormément parce qu'il y a beaucoup de boulot que les Français ne font pas. Ils ne veulent pas faire, préfèrent rester à la maison. Donc, du coup, les étudiants le font. Donc, il y a des jobs étudiants, mais si vous voulez vraiment vous concentrer dans vos études, les jobs étudiants, il faut les prendre vraiment avec des pincettes. Parce que les jobs étudiants, ça peut pourrir totalement vos études, surtout quand vous n'avez pas des parents qui, non, quand vous n'avez pas des parents qui ont des moyens. Là, c'est encore très compliqué. Vous devez payer votre loyer, manger, payer des factures et vivre, ça devient extrêmement compliqué. Donc, prenez en considération tout ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. On se voit ce lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao!